quest'anno mi aveva promesso la lap dance. C'è sempre le musiche. Lap dance. Buongiorno, buona domenica 3 ottobre, domenica di Palio, apertura ufficiale della 74esima fiera del Tartufo, nonché del 37esima Palio. Nous sommes à 70 km au sud de Turin, au cœur du Piémont, dans la région des Langhe e Ruero. Et comme tous les ans, en ce premier dimanche d'octobre, la ville d'Alba s'apprête à vivre la manifestation folklorique la plus importante de l'année, le Palio des ânes. La tradition médiévale du palio, course de chevaux intramuros fort prisée des nobles de l'époque, voyait se confronter les différents quartiers de la ville pour l'honneur de gagner et de garder une année durant le fameux palio, le drapeau remis au vainqueur. Sauf que le palio, ici, se court avec des ânes. Et nous verrons que cet élément change considérablement la logique de cette course. On peut même dire qu'il en incarne la dérision. Ils sont arrivés le matin très tôt et se prêtent avec beaucoup de philosophie aux préparatifs qui les concernent. Échauffement, contrôle vétérinaire, marquage. Ils semblent résignés. Ils savent que la journée va être longue, qu'il va falloir attendre et puis après jouer avec les hommes. Mais ils savent aussi qu'après avoir fait rire les petits et les grands, ils pourront retourner rêver dans leur campagne.